Ouais, voilà. Bah bon. Très bien, donc nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Décision médiévale. Nous allons cliquer sur continuer. Je synchronise ma voix, hein, toujours avec Audacity, technique Bob Lennon. Hein, si vous connaissez, ils utilisent la même technique. J'espère que moi j'arriverai à faire de même, mais normalement il n'y a pas de raison. Alors, 1, 2, 3, clic. Voilà. Alors, il faut que je trouve la foire, la mine et la tour. Et donc. Alors, on va, voilà. Alors, vous voyez, donc ici, il y a la tour donc du quartier précédent qui est en train de me déblayer la zone. Et ça, c'est génial. Bon, alors. Voilà. Et avec. Donc là, j'appuie sur Shift et je peux un petit peu courir. Mais vous voyez que j'ai une barre de souffle, évidemment. Et j'ai un chien qui me. J'ai des chiens qui me poursuivent. Je suis mort. Je suis un homme mort. Ah. Merci les gars. Bon, parfois, voilà, il y a des gardes de la tour qui débarquent pour nous aider. Bon, je vais les suivre un petit peu. Ça. Alors, les chiens un peu roux, là, ils sont plus balèzes. Ok. Bon, par contre, là, après, ils se barrent et nous, après, on a un petit peu voix nous-mêmes. Bon, c'était un mal nécessaire. Attendez, je vais juste. Voilà, ce que j'ai fait en fait, c'est ça. C'est que j'ai bloqué, puis je vais me. Bon voilà, hein, au départ faut jouer comme ça, faut jouer on bloque et on tire quoi. Est-ce que je peux ouvrir ça? Il me faut le crochetage. Je l'ai eu. Bon, par là, il y a un truc à débloquer. Alors, il y a la mine. Il ne me restera plus que la foire qui est au bout là-bas. Comme ça, on aura fini cette mission-là. Alors, au départ, ça va assez lentement. C'est vrai que j'ai plus l'habitude, hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a débloqué toutes les compétences, mais on fait ça, mais à une rapidité hallucinante. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, mais quand on recommence le jeu après l'avoir fini, on garde les compétences qu'on a acquises, c'est-à-dire toutes les armes qu'on a acquises. Donc c'est pour ça que quand on a fini le jeu une fois, ça va beaucoup plus vite en difficulté moyenne et difficile, quoi. Là, c'est un ennemi dans la zone. Il est là-bas, apparemment. Bon, on va essayer de. Alors pareil, j'ai vu si on maintenait Z, ça je l'ai vu récemment. Voilà, on a une map du territoire. Ok, bah ils ont détruit la tour a tué le dernier zombie. Je peux ouvrir ça, je pense. Ouais. Rien à fouiller ici. Non. Je regarde un petit peu, hein, parce que parfois on a du matériel qui traîne et c'est absolument indispensable si on veut améliorer rapidement nos tours.
Ok. Donc là, on a donc plus 7 par jour de... Voilà quoi, de menaces. Si on tombe à 100%, on perd la zone. Ok, ça veut dire qu'elle devient rouge comme ça, et après pour la reprendre, bah accrochez-vous, parce que si, parce que la menace dépend en fait de la difficulté également. C'est-à-dire que plus la menace est élevée, plus vous aurez de zombies, et certainement des zombies plus puissants. Donc, voilà, faut se méfier. Ah d'accord, il nous faut 25. Ah là là, là, il nous faut 25 pour avoir la mine. Va falloir qu'on fasse la foire et qu'on trouve absolument c'est du matériel. Donc il va falloir qu'on fasse vraiment de la fouille. Ça va être beaucoup de ça, ça va être beaucoup de fouille sur ce coup-là. J'ai activé quand même ma vision d'aigle. Ma mission échouée, je me suis fait buter. Bon, alors c'est pas trop trop grave hein, quand on perd. Ça c'est aussi un autre avantage du jeu, c'est que le jeu n'est pas frustrant. Vous perdez, bah ça fait rien, vous recommencez la mission, c'est pas trop trop grave quoi. C'est pas réellement pénalisant en réalité. Oh merde, je me suis fait exploser contre le tonneau là. Pas terrible. Bon, par contre quand ça arrive 2-3 fois de suite, c'est un peu chiant. Je joue la corde. Attendez, excusez-moi. Voilà. Alors, justement, est-ce qu'on peut passer. Alors, Z déjà. Non, c''est. Voilà. Hop, déjà. Ça libère la zone. Il y a quelque chose qui m'a frappé, mais. Bon, j'essaie de les avoir en ligne un petit peu, hein, mais pas toujours évident. Bon, une fois que j'aurai déblayé la zone, au moins je pourrai vraiment rechercher des fournitures. Et une fois qu'on a la mine. C'est bon quoi, le niveau ressources, on va commencer à augmenter progressivement. Et après, ben, il reste plus qu'à améliorer quand on a les ressources nécessaires, quoi, c'est tout quoi. Par contre, la mine augmente le niveau de menace, hein, le niveau de menace par jour, c'est ça l'inconvénient, c'est que plus on va produire de ressources, plus ça va attirer les zombies en réalité. Parce que les zombies apparemment sont intelligents et ils savent que ben, plus on progresse, plus on peut. Plus ils peuvent perdre la guerre en réalité. Donc ils ont quand même une IA intelligente quoi. Enfin, ils ont une notion de stratégie en réalité. Bon, toi. Voilà. Alors. Niveau ressources. Salut les mecs. Ok, compétences de crochetage. Allez, il me faut des ressources, les mecs. Ici. Non, apparemment, j'ai rien trouvé. Il y a bien quelque chose dans le secteur. Genre, il y a vraiment rien, quoi.
Oh, c'est pas vrai. Je pensais qu'il y avait des ressources quelque part, mais. Mais faut croire que non. Pourtant, ça, je veux dire, ça normalement, c'est censé être. Ouais, bah, ça, si, ça, je l'ai fouillé, mais. Ah, là! Allez, dis-moi qu'il y a des ressources là-dedans. Voilà, bon, ouais, bah, 7 de ressources, bah, merci, mais c'est. Ça va pas arranger mes affaires, ça. Allez. 22. Non, c'est pas assez. Par contre, avec 2000, ce que je peux faire, c'est améliorer ma taverne ici. Donc on va le faire. Ça va permettre de diminuer, enfin, déjà diminuer la menace en soi. Alors, ici c'est un petit peu subtil, donc je vais prendre mon épée, activer mon radar. Alors ici c'est pas moi qui vais devoir tuer des zombies, c'est les deux personnes qui sont avec moi. Il faut que je les forme en réalité. Donc vous voyez, à droite, il faut qu'ils arrivent à tuer 20 zombies. Par contre, faut que je les éloigne un petit peu de la. Donc je peux c'est aller, voilà, par exemple, aller chercher des zombies et puis les rabattre sur eux. Mais c'est pas forcément une bonne idée au départ. Bon voilà, par exemple là mes gardes là ils se sont fait défoncer, donc il faut que j'éloigne des zombies pour qu'ils puissent se faire ranimer. Simplement. Voilà, bon, il y en a un qui est ranimé, mais il y a encore des zombies sur l'autre, donc. Je vais me faire défoncer. Les violets là, ils sont balèzes, les violets là. Bon, ok, voilà, mes gars sont de nouveau debout. Ils en ont encore 5 à tuer, puis j'ai fini la mission en fait. Encore deux. Bon, allez, on se barre. De toute façon, ça. Parce que sinon, on peut encore nettoyer la zone, hein, comme d'habitude, mais. Il y a les zombies trop près, on peut pas. Mais bon. Voilà, ça c'est l'entraînement des soldats à la taverne. Oh, c'est pas vrai, je dois encore tousser. Voilà. Alors. Voilà, puis vous voyez, en plus on a l'ensoleillement de la journée, donc on sait que la prochaine mission ce sera forcément 2 jours. Alors, ici donc on a simplement. Donc maintenant on a plus 2 en menace par jour, c'est-à-dire que la menace augmente de 2 par jour. Le mieux c'est d'être en négatif en fait, que la menace diminue, hein, bien entendu. Bon, par contre la prochaine fois qu'on entraînera les gardes, ce sera alors soit quand on aura 100 de ressources. Donc c'est pas demain la veille. Soit bah quand on. Voilà, sauf voilà quoi. Alors attendez, par contre ici, donc on a. Ouais non, ici il n'y a rien. Et ici par contre je peux me balader. Ouais. Alors. Trotte de ressources et 25 ici. Il va falloir qu'on récupère encore des ressources. Je suis sûr que j'en ai oublié à la foire ici. Donc on va retourner à la foire. Et on va essayer. De trouver
essayer de trouver des ressources. Bon, okay, ça n'a aucun effet. Oh, l'arc est pas encore très puissant. Faudrait que j'arrive à l'améliorer, mais. De toute façon, il va aussi s'améliorer de lui-même avec l'expérience, hein, mais. Excusez-moi. Ok, là, il y a un mec à sauver. S'il n'y a rien. Là, il y a encore un mec. Lui est pas mort, lui. Ouais, mais il y a les détritus qui changent, qui manquent. Alors, eux, ils sont pas morts, eux, ils sont juste couchés en fait. Ok, là il y a un coffre. Ok, donc lui c'est fait. Alors, en fait non, c'est pas fait. Bon, il en reste deux là-bas, mais les ressources, c'est ce qui me manque. Ah là. Ok, trois de ressources. Bah, comme par hasard, c'est ce qui me manquait. Ah, je vous jure, ce jeu. Je fais le tour voir s'il n'y en a pas d'autres, mais ouais, oh non, ouais. Allez, hop. Oui, tais-toi, allez. Ici. Ok, 4 de plus. Ça, ouais, non, ça, il me faut le crochetage. Ici, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Ici, c'est la taverne. Non, bah c'est bon. Ok. Allez, on va courir un petit peu. Ouais, il n'y a plus rien. Bon! Vous voyez, par contre, la menace ici a augmenté légèrement. Hein. Ici, la menace, elle est à 0. Tout va bien. Et maintenant que j'ai 29, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la mine. Par contre, la mine, ça va nous augmenter notre menace de 3% par jour, ici. Enfin, dans ce quartier-là. Donc, on va tomber à 10% par jour. Excusez-moi, il faut que je me bouge. Oh, c'est chiant de tourner malade, mais j'ai envie de tourner, donc je le fais. Voilà, si je réactive mon micro, ce sera mieux. Donc, on y va. La mine. Et on est de nuit. C'est génial. Bon. Alors. Je vais prendre l'habitude de regarder avant de y aller le. Est-ce que ça je peux l'ouvrir? Non, crochetage. Je voulais tirer sur le tonneau, mais bon. Non, non. Couchez le chien. Alors.
Ok, donc là on a un premier ouvrier, ensuite. Voilà, un deuxième ouvrier ici. Il n'y a rien dans... Ah, là il y a quelque chose. Ah, mais il n'y avait rien dedans. Bon. Ah, il y a une grande bande noire au milieu du jeu. Bon, ça fait rien. Petit problème de graphisme. C'est... Ça va, c'est rien, ça. Ok, on a le dernier. Alors parfois il nous donne un quatrième travailleur. Il se relève, hein, les mecs. C'est... Voilà, faut juste le temps, mais il se relève. Les mecs, ils sont increvables. Pratique, hein, quand il y a une apocalypse zombie. Voilà, bon, il y en a un quatrième, mais ce que je voulais voir, c'était s'il n'y avait pas des ressources quelque part. Bon, allez, on va bâtir la mine. Alors là, par contre, c'est une autre partie, parce que là, on a des ennemis, donc ils sortent des mines. On est dans le Seigneur des Anneaux, les mecs. Et bien sûr, les ouvriers nous aident pas, hein, on se démerde. Oula. Oula là 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 là, oula, je me casse moi. Sur 3. Ok, allez, j'ai mes trois ouvriers. Hop, je me tire. Là, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ah non! Il y avait quelque chose ici. Bon, ça fait rien. Production de la mine 12. Voilà. À partir de maintenant, donc on va avoir notre mine qui va pouvoir créer, voilà, qui nous crée 12 de ressources par jour. Alors, elle nous produit 15, mais on a moins 3 à cause de la menace. Parce que simplement, bah, on a, voilà, quand on a de la menace, et puis c'est chiant. Donc, là, la productivité va diminuer avec la menace. Bon, voilà. Voilà, vous avez le principe. De toute façon, dans 3 tours, je pourrais. Donc, ça va tourner. Donc, ça va marcher au tour par tour, hein, maintenant. Ce qui va se passer, bah, simplement, bah, on va avoir. Dans 3 tours, on pourra développer la tour et réduire la menace. Parlons de la tour, on... Ouais, alors attendez, est-ce que... Alors normalement, le... Ouais, voilà, j'ai pas les matériaux suffisants. Bon. Atelier. Donc, pour développer niveau 2, il va nous falloir l'ingénierie niveau 2. Est-ce qu'on développe maintenant ou est-ce qu'on attend? Attendez une seconde. Alors après on a ça il va me le falloir. L'armure, allez, go. Comme ça, on l'a. 1800, je peux encore développer l'arc. On va développer l'arc. Ah oui, ok, ah oui, donc non, donc on avait bien débloqué un mec, mais ouais, mais... Tonnerre, c'est pas très important. Enfin... Si, enfin, si, il y a ça qui est intéressant, mais ça, c'est quand vraiment on est en attaque de mêlée, quoi. Ça, c'est super pratique, mais... Indisponible. Ah, pourquoi indisponible?
Ah oui, non, mais oui, ça se débloque simplement. Alors, soit l'endurance, soit. J'ai l'argent pour un des deux, mais soit du DPS, soit de la résistance. Bon, allez, hop, la régénération. Les DPS, on verra plus tard. Ok, on va réduire la menace ici. Pour réduire la menace, pas grand chose, hein. Ou alors on va attaquer ben, la. Non, on va réduire la menace. Parce qu'on a combien? 24%, on va la faire tomber à zéro. C'est juste histoire, voilà, d'avoir. Puis au moins on a l'armure maintenant, on est un peu plus fort. Voilà, on va sentir la différence, hein. Au niveau du jeu déjà. Wow, ça c'est beau ça. Non, ça c'est moi ça. Je vais pas me tirer dessus, ça serait con. Bon, les violets là, ils sont assez chauds. Hein. Les équarisseurs. Bon bah tant pis, j'en ai touché aucun, ça fait rien. Ok, yes. Allez, j'ai oublié d'activer mon radar. On va s'avancer un petit peu. Ah. Les autres, je peux les faire en avançant. Ouais. Bon, ressources. Ressources, ressources. Est-ce qu'il y en a des nouvelles qui sont apparues? Parce que je me souviens plus si parfois il y en a des nouvelles qui apparaissent ou non, mais. Normalement non, mais. Ça avait pas de mal de vérifier. Bon, je pense que je vais tourner à la suite, hein, sans. Ah oui, puis il y avait des hommes ici. Ouais, ici j'ai toujours pas le crochetage, il faut que je déverrouille ça. Ouais, donc ça revient pas les cachettes une fois trouvées. Ok. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Le quartier est attaqué. Alors, quand il est attaqué. En gros, sa menace va augmenter d'un seul coup, mais enfin. Bon, ce quartier-là est à 0. On est à 31. Ah oui, on est à 31. On pourrait construire la tour ici. Parce que là, il n'y a rien qui protège, hein, ce quartier-là, mais bon. Allez, on va aller protéger le quartier. Bon, c'est pas excessivement compliqué, hein. C'est juste. Voilà, on a des vagues d'ennemis qui arrivent. Le but, c'est de les empêcher d'arriver à la porte. Et plus il y en a qui passent, plus la menace va réaugmenter de la tour, quoi, simplement. Voilà, bon, c'est une petite attaque, c'est pas bien méchant. Il n'y a pas de troll, il n'y a pas de. Parce que quand les trolls vont arriver, là par contre, ça va être une autre partie quoi. Machine à tuer, j'ai dû dépasser les 100. Ah non, les 40 morts, ok. Ouais, c'est quand je dépasse les 40 morts, c'est ça? Ouais. Enfin, les 40 morts par minute. Nous avons repoussé l'attaque du quartier, mais je suis sûr que c'est loin d'être terminé. Nous avons renforcé les tours. Dans tous les quartiers pour les protéger des attaques. Ok. Alors, ici il me faut l'ingénierie 2.
Après, sinon, j'ai ces trucs-là aussi, hein, l'amélioration des portes et des mâchicoulis. Ça, c'est faisable. Mais bon, vaut mieux, c'est développer la tour ici. Sans compter qu'en plus, on a une mine. C'est quasiment indispensable. Trouver la tour, trouver la taverne. Ah oui, puis il y a la taverne aussi à trouver. Bon, allez. Oh non, c'est pas vrai. Je me suis fait avoir. Bon. Ok, et lui, c'est un mec à ramener à la taverne. On se calme, les gars. On se calme. Ok, j'ai gagné 400 de pognon juste en faisant ça. Bon, bah c'est cool. Mais voilà quoi, l'arc une fois développé un petit peu et puis voilà, puis l'armure quoi, je veux dire, voilà, une fois qu'on a ça déjà, on va pouvoir commencer à vraiment taquiner du zombie quoi. Puis oui, puis je voulais faire ce jeu-là aussi, hein, c'est parce que bon, je voulais faire un peu de DayZ, alors de pas de DayZ, de Dying Light, mais beaucoup de youtubeurs le font, donc je voyais pas l'intérêt de le faire à mon tour. Bon, enfin Dying Light, ouais, c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa, mais moi les jeux de zombies, habituellement, c'est pas trop mon truc. Donc je voulais changer, montrer un jeu de zombies un peu différent, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire Décision médiévale. Alors, sachez que Décision n'est pas. Enfin, donc c'est une série hein, qui s'appelle Décision, et on est sur le volet qui s'appelle Médiéval, qui est vraiment à part. C'est vraiment un volet à part. Mais sinon, ce qui est. Comment le... Sinon, il existe d'autres volets hein, à Décision. Mais franchement, c'est celui-là le meilleur. À mon sens, hein. Les autres sont plus modernes. Ils sont plus à l'époque moderne, donc voilà quoi. L'apocalypse moderne, on connaît quoi. Je veux dire, c'est un sujet tellement qui a tellement été mâchouillé quoi. Voilà. Alors que là, voilà quoi. Les zombies à l'époque médiévale, fallait y penser quoi. C'est vraiment le contexte qui est intéressant. En plus, écoutez-moi ces musiques quoi. Je vous ai laissé les musiques, mais parce qu'elles sont géniaux quoi. Le son est pas dégueulasse, les graphismes sont beaux. On a du jus de myrtille. Ben voilà, que demander de plus? Je crois qu'il y avait un mec qui était censé venir avec nous ici, non? Non? Bon. Et y a pas une cachette ici? Non, bon. Bon, on va courir un petit peu. Il nous manque un ouvrier à trouver. Hein. Ah, il est là. C'est moi ou il en manque un? Il y a un ouvrier qui a dû se coincer quelque part. Ça arrive de temps en temps, il y a un ouvrier qui se coince. Je vais revenir sur mes pas, on devrait bien réussir à le trouver. Parfois le pathfinding bug un peu, mais c'est trop fort rien. Peut-être ici. J'ai pas vu ça, mais je peux certainement déverrouiller. Non, crochetage. Bon, il me manque un ouvrier, s'il vous plaît. Putain, avec ça sur mon radar, j'ai pas les signes de vie humaine. Normalement, je les ai, mais.
incroyable ça. Mais il manque un ouvrier. Il est où? Bon, en attendant. C'est un bug du jeu. C'est bizarre parce que le jeu n'a jamais bugué, hein. Jusqu'à présent, j'ai joué pendant plusieurs heures et j'ai jamais eu de bug du genre. Ça me ferait chier quand même. Non, j'ai fait le tour en plus, hein. Oups. Merde. Ben, on va recommencer. Pas le choix, on va recommencer. Ce coup-ci, on va bien les croûter parce que. Ouais, repousse attaque ennemie, je sais. Bon, là, on a le maître d'armes. Bon, on a le maître d'armes. Je vais activer mon radar. Bon, ok, ici il n'y a personne. Ici j'ai la tour, pas de soucis. Bon, alors. Ils sont où les mecs? Bon, là j'en ai un là. Bon, j'en ai un. Bon, ça fait un. Là, ça fait deux. Il me manque un troisième. Ah, là. Bon, là, on en a trois. Ce coup-ci, c'est la bonne. Bon, voilà. Allez, et maintenant, il reste plus qu'à les protéger. Toujours pareil. Désolé pour la toux.
Bon, tant pis, le violet, je le laisse passer. Hein. Allez. Bon. Bah, dans l'ensemble, ça se tient. Bon, 36. Pour 36, alors, je peux développer la taverne. Ce qui va me permettre encore de diminuer la menace ici. Eh ben, on va faire ça rapidement, puis on va. Ouais. Bon, de toute façon, je tourne et puis je couperai à chaque fois des séances d'une heure. Ah ouais, au niveau d'Audacity, par contre, ça va pas être terrible ça. Ouais, bon, ça, tant pis. J'arriverai bien à me débrouiller. Oups, non, c'est vrai, il faut pas que je tire, moi. C'est aux autres de se taper les chiens et les. Voilà. Z, alors. Courir. Voilà, donc retour, hein, donc ça c'est. Donc en gros voilà les gameplay du jeu, c'est quand même varié, hein. Il y a entre les mines, la tour, le. Ça là, la taverne. L'aspect exploration aussi, hein, c'est vraiment intéressant l'aspect exploration. Allez, relève-toi, feignant. Oula. Donc là, c'est vraiment moi, je les attire et puis je les ramène à mes gars qui vont les buter, quoi. Ok, on va nettoyer la zone. Comme ça va nous rapporter un peu d'argent en plus. Ah, mec, quoi, Robin des Bois, quoi. C'est pas une. C'est pas un arc qu'il a, c'est une sulfateuse, quoi. C'est. Legolas, il peut aller se rhabiller. Poutchoum, poutchoum, poutchoum. Avec les flèches qui partent dans tous les sens. Pardon. Ok. Bon, 1600. Prochain, c'est 4000. On a 51 de. On pourrait développer les portes là. Combien? C'est 100 pour le. Ouais, c'est 100 pour. On va essayer d'aller débloquer ça. Attendez, juste un truc, je regarde un truc. Bah écoutez, c'est simple, on est à 45 minutes là de vidéo. Ce que je vous propose, c'est de couper là. Et on voit la troisième partie dans le troisième épisode. À tout de suite!